Bonsoir, bonsoir et bon dimanche à nous toutes qui la caille nous, quel que soit côté nous y est, qui est toujours connecté avec IFSI, qui est toujours connecté avec Dr Gabo, sous quel que soit flash, dernière heure, nouvelle spécialement sous affaire immigration, sous affaire ça nous relève CHNV ou bien programme Biden. Donc, avant hier, nous te présenté un live qui bon que nous te baou exactement information que nous te joignons de première source et nous te partagé avec vous. Nous toujours dire comme ça que nous même pas bon ici et nous pas fait information, nous porter information à vous. Ça veut dire que nous pas jamais et ça à la légère en termes de communiquer vous information que nous jouons de sous sûr. Nous pas faire information, nous pas forger information. Depuis nous bon bagay, avant nous une koto, nous make sure que nous double check li, nous vérifier la fin de baoul. So dernièrement nous te clair avec vous, nous te dit comme ça que si ou déjà gagné travel authorization et que qui valable ou capable voyager normalement sans aucun problème. Et nous pas dzouli à la légère, nous te double check avant que nous te dzouli, nous te poser question à autorité yo pour nous demander ça qui a passé parce que nous yo dit nous officiellement que programme ne gon pose. Cependant, nous te poser question premièrement, est-ce que pose la veut dire que personne ne pas mettre application? Réponse ça c'était absolument non, moun ka toujours mettre application. Et ceci nous prend de source officielle nous baoul. Deuxième question de poser et moun qui déjà gagné autorisation de voyage yo. Est-ce que capable voyager? Encore réponse de officiel c'était oui que capable voyager. Nous t'avons malheureusement depuis samedi un groupe moun qui allait à port en Haïti et me voulait préciser en Haïti pour raison parce que nous étant à vérifier dans l'autre côté yo. Parce que nous connaît programme pas seulement pour haïtiens, pas oublier programme n'a 4 pays et Cuba, Haïti, Venezuela avec Nicaragua. C'est pas seul Haïti. Le mettre pause dans ce programme là, c'est pas pause seulement pour Haïti, pause là c'est pour CHNV. Ça veut dire pour les 4 pays qui involve là-dedans. So nous depuis un samedi que yo commencé à alerter nous que il y a des monde qui à l'aéroport que yo voyez yo retourner ou dit pas voyager, nous automatiquement nous fait toute journée et vendredi soir samedi dans et téléphone à communiquer avec officiel yo pour nous connaître ça qui passé parce que yo même dans note que yo écrit yo voyez yo dit clairement que yes moon qui gagne autorisation de voyage capable voyager. Cependant nous tenons que quand mon en Haïti qui pas qui allait vendredi et qui allait samedi qui pas arrivé voyager. Donc nous te rapidement alerter toute autorité pour demander ce qui a passé parce que sous dit parole ou pas faire l'autre. Et nous te vérifier pour nous connaître est-ce que problème qui est en haïtien, est-ce que moun qui a voyagé de la République dominicaine qui a même problème non, est-ce que moun qui a voyagé en dehors d'Haïti qui a même problème non. Apparemment tout l'autre monde qui a voyagé dans le pays youn pas un problème ça que Haïti gagne. Pas oublier moi dit encore programme c'est pas seulement pour Haïti, programme c'est pour 4 pays. Malheureusement d'après ça dernière information que ben nous et gèlè que et Customs and Border Patrol CBP te voyon note by ligne aérienne parce que encore moun qui voyage yo c'est juste que leur rivé d'après ça ou dit nous dans ligne aérienne que ou dit ou pas voyager. Cependant et immigration d'accord pour voyager, tout l'autre côté d'accord pour voyager. Malheureusement toujours gagne un problème entre ligne aérienne yo et autorité yo. Des fois et nous pas connait si c'est par miscommunication ou bien misinformation, très souvent ligne aérienne pas agi en fonction de sa programme nan di. Donc encore une fois nous relé nous alerter autorité yo, nous dire mais ça nous tendez mais ça nous wè. Aussitôt que nous alerter yo même tout yo alerter différent pas oublier dans domaine immigration il y a plusieurs niveaux d'autorité, c'est pas un seul groupe qui travaille. Moun CBP yo pas moun USCIS, moun USCIS pas nécessairement moun DHS. Ça dit que il y a différentes catégories de moun qui travaille et malheureusement des fois communication pas aller comme ça doit. Donc c'est comme ça que nous apprenons que yes moun li aérienne yo gèlè recevoir une note qui dit que moun pas ka voyager alors que notre là t'as supposé dire que yo mettait une pause sous programme là.
Donc avec ça, nous avons une pile confusion, une pile monde qui malheureusement à l'époque qui est obligé de retourner à la Cali. D'après dernier update que nous gagnons, que nous pouvons capables officiellement vérifier pour vous parce que nous attendons pour vous nous, c'est que la communication ça qui t'a venu à Yéguenan, il a changé. OK, en sorte que moun ta supposé ka voyager jodi an. C'est ça que nous même k'ap suivre là. Si jamais nous ta gen moun qui était à l'aéroport la jodi a de Haïti étant et qui pas arrivé voyager, fait nous connait immédiatement parce que ça nous fait job pa nous. Aussitôt que nous tendez gen yon anomalie avec programme nan, nous alerter différentes autorités yo pour nous capable faire connait exactement mais qui problème qui gagne et puis pour même yo capable agir rapidement. So encore une fois avant que me faire live là moi vérifier avec yo encore. Yo dit yes, toute autorité alerté de problème nan et que y a travail sous lui. Donc nous espérer à partir d'aujourd'hui hein, problème ça pas continuer répéter parce que il était confirmé non par un seul officiel par plusieurs officiels que yes sous gagné autorisation de voyage ou supposé qu'à voyager. Mais comme on connaît malheureusement, lorsque ou un pays qui part jam, qui boque autorité pas jam, des fois ou victime, parce que les barres ça au passé, en général, normalement, si vous avez un pays qui jam, automatiquement c'est le pays qui t'a supposé intervenir pour dire non, parce que si vous avez une autorisation de voyage qui valide ou pas, qui dit pas qu'à voyager. En ce moment, c'est un gros et nous sommes capables de l'autre que nous sommes capables de faire, parce que ou ben mon autorisation de voyage mal à l'aéroport et puis pour dire non on va pas voyager. Mais again le que pays en pas jam, c'est ça qui fait des fois nous victimes. Mais moi je suis sûr et certain que nous connaît et m'ba croire que depuis date programme a commencé m'ba comme jam ba nous aucune excuse pour m'ta bonne information qui passe ça parce que je toujours dire avant que m'bonne information moi vérifier. Des fois m'prend temps pour m'une bonne information. Pour ça que me prend temps c'est parce que moi j'ai besoin assurer que ça m'bral dou là c'est exactement ça lié. Donc docteur Gabo pas bon menti, docteur Gabo pas de bon mauvaise information. Information docteur Gabo baoua, c'était de la première source et information style valable. Yes, sous gagné on travel authorization dans mon ou supposé capable voyager dans la mesure que pas aucun autre problème parce que pas oublier un mot que yo toujours utilisé quand il s'agit de et permettre que moun entre dans pays là. Yo toujours tout c'est à la discrétion de moun qui est responsable le custom and border patrol agent. C'est à la discrétion. Ça veut dire que ça in a way c'est bien malheureux. In a way c'est comme ça de leur permettre d'entrer dans pays là, c'est comme ça de c'est un faveur offert et si jamais tu as joindre ou raison pour l'autre pour pas qu'il t'entre, yo capable utiliser autorité pour faire ça. Donc c'est comme ça utiliser terme là. C'est une façon pour quitter une porte ouverte pour si jamais il y a pas qui t'entrer pour pas dire que vous avez le droit d'entrer que pas qui t'entrer. Mais ça me plaisir c'est que information que m'ba nous l'irrité et demeurer valable. C'est-à-dire qui ça ou gagner une autorisation de voyage la main ou supposé qu'à voyager. Maintenant, ça qui a passé dans l'aéroport actuellement là, il pas aller en fonction de ça qui était discuté. Et à partir du moment que vous alertez toute autorité, yo, nous espérons que moun jodi yo et moun demain yo a voyager comme ça doit. Et si jamais pas voyager, dès demain, n'a lancé appel à toute l'autre autorité qui a advocate, qui a défendu droit nous pour que yo même yo ka kite vos lettres by CBP, by Customs and Border Patrol, by USCIS, by DHS pour faire connaître que c'est pas acceptable. Parce que c'est ou mon papier ou dit me qu'à voyager et puis qu'on a mouvé à porte pour dire me qu'à voyager n'est pas acceptable. Ça veut dire que ça à partir de demain n'a pas dernière décision pour nous connaître est-ce que nous pourrons aller mener équipe solide d'avocats nous qui pouvons l'être pour dire à département de sécurité intérieure des États-Unis qui est responsable de toute question immigration pour faire connaître que n'est pas juste n'est pas droit pour être capable de nous faire ça. Mais encore une fois pas de mauvaise information, information nous mettez pas nous en valable. Et jusqu'à présent comme on dit, programme là encore, il est très clair, il y a une petite pause. Et pause là, est connecté avec le fait que un pile monde a essayé sous, il a essayé écraser programme là. Il a pas essayé mener des batailles pour que des batailles légales pour que capable du programme là pas et juste il pas légal que programme n'a pas droit et que c'est fait des moun entrer dans pays de manière illégale. So à cause de moun ça yo cap suivre programme de près, ça yo fait une liste de charges contre programme.
Et dans la liste de charges que vous faites, c'est surtout par rapport à supporteurs qui sont ici, que vous trouvez qui a fait des actions qui des fois qui malhonnêtes. Parce que nous avons toujours dit que le programme a besoin de supporters. Ou pas de supposer payer l'argent pour le programme. Ça veut dire que depuis que vous avez un monde qui a demandé 3 000 $, 5 000 $, ça veut dire que c'est des actions malhonnêtes parce que le programme n'est pas fait pour faire business, ce programme qui fait pour permettre que les gens puissent entrer. Deuxièmement, par exemple, il y a des gens qui malheureusement utilisent des informations de gens qui mourent déjà. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des gens qui utilisent des adresses qui ne sont pas droites. So, c'est par rapport à une série d'inquiétudes que vous gagnez sur supporter yo, et vous ne voulez pas aller mener devant la justice, radio devant la justice, pour dire que ça ne fait pas bon. C'est ça que vous proposez. Pour être capable de garder exactement comment il a corrigé et well ça y et moun ça y a fait bagarre qui mal ça y pour être traduit devant la justice pour montrer que il a fait un travail qui doit. C'est ça que fait, il met une pause et il dit son pause temporaire qui t'a supposé lever rapidement. Again, once que pause la lever et moun qui était en ligne rapidement qui t'attend pour yo approuver yo de pouvoir recommencer. Nous aussi tendez et nous partager avec yo. Il y a des gens le 2 août qui se passait là, en pile, qui ont gagné et travel authorization confirm, et puis ils ont reçu un autre qui dit travel authorization non confirm. Et ça a connecté avec ma mauvaise information qui passait à l'aérien du tout. C'est ça que fait, nous voyons 2-3 exemples de gens qui ont reçu autorisation de voyage et qui ont dit non, ils ne vont pas recevoir nouvelle bail encore. Pour connaître qui raison qui fait que. Ou te fin recevoir une autorisation de voyage et puis qu'on a dit non ou pas qu'à voyager. Again, pas oublier, job pour nous, c'est défendre nous. Job pour nous, c'est make sure que yo pas traité nous mal, que yo pas traité nous de manière tant qu'on parle en pauvre. Depuis qu'on va qui passe, job pour nous, c'est pour nous faire connaître, mais ça va passer pour qu'on corriger automatiquement. Parce que pas oublier, même en dans USCIS, yo gon unité qui l'a même pour défendre droit des citoyens. Ça veut dire que en dans USCIS, OK, yo gon unité ça veut dire que logon complète ou ka portel bayo et yo même yo ka venir avocat yo pour yo même aller against USCIS li même pour ka défendre droit. So job pa nou c'est connecter avec tout moun sa yo qui capable défendre droit nous pour que nous capable faire connaître. Konnen gran pi moun et nan TikTok nan bagay di docteur Gabo ti bay mauvaise information. Absolument non. Nous connaissons que Dr. Gabo aime nous, Dr. Gabo voulait seulement bien pour nous-mêmes, Dr. Gabo pas chercher pour faire rien ou pour dire rien qui passe ça. Donc, moi, campé des informations de nous, hein, et moi, sûr et certain, Bayan Monde, m'a gagné de manière officielle, parce que les informations de nous, je dis, m'a tant que me confirmer. L'homme dit m'a peut-être que confirmé, ça dit que le propre officiel. Mais l'homme qui a fait officiel, là, m'a voyé, m'a vu partager avec nous pour me faire connaître que, yes, tout ça yo, que vous avez dit, yo, que vous n'avez pas fait bien, vous n'avez pas fait bien, et que pour nous continuer. Donc, à tout le monde qui a suivi, tant pis, restez calme, ok? Ou même qui était allé dans l'aéroport samedi que vous voyez retourner, pas fatigué. N'a bataille pour que vous retourniez dans l'aéroport là. Comme ça doit. Nous déjà alerté tout le monde pour nous alerter. Nous continuons à alerter tout le monde pour nous alerter pour qu'on soit capable de venir sans aucun problème. Nous espérons que si clarification ça aide, si clarification ça mette la paix dans l'esprit, une façon pour qu'on ne pas troubler parce que nous connaissons une grosse déception. Ou qu'on ne peut aller et pour arriver à la porte pour retourner. Nous connaissons ça. Vous comprenez? Donc c'est ça que la bataille pour nous-mêmes. Oui, tout le monde qui écrit là, il dit, je dis, il ne pas quitter. Tout le monde connaît, il ne va pas quitter voyager. Donc, il semblerait que jeudi, encore même avec hier, il n'y a pas une autorisation vraiment pour voyager. Donc, et qui ça, vous pensez, qui a fait? Des fois, malheureusement, des fois, il y a ça que nous relais, des gens qui sont plus que le roi, qui ont plus zèle que USCIS, et qui des fois viennent faire le propre maillot. D'après ça, ils ont alerté nous depuis hier. Jodi est supposé normal. Cependant, si pas normal, comme on dit, de manière officielle, je peux envoyer une note pour moi pour montrer qui note je vais battre tout le monde pour faire tout le monde connaître que yes, mon a voyagé. Donc, aussitôt comme Gael, je prends la bataille pour demain, maximum pour Gael, on façon qu'à partager avec nous tous. Et quand on est là, je prends les lignes aériennes pour m'assurer pour moi qui note je recevoir et pour qui raison est-ce que je empêché que mon voyager. Donc, si encore je dis nous ne pouvons pas voyager, qui est supposé faire? Encore une fois, Nabdou, font patience et nous relayons déjà, nous contacter, tout le monde nous contacter, que c'est dans DHS, que c'est dans USCIS,
que dans CBP, quel que soit le CBP, quel que soit le CBP, nous avons envoyé l'information, nous faisons connaître. D'après ça, je dis nous, je dis à mon nous sommes supposés voyager. Encore une fois, si nous ne pas voyager, prenons patience, nous garantissons nous que nous avons bataille pour que le problème ça résoudre le plus vite possible. Est-ce que pas quelqu'un a une question? Ok. Encore une fois, nous là pour nous continuer à aider, continuer à diriger le programme ça. Et nous avons une email adresse qui c'est chnv@ifsi-usa.org. chnv@ifsi-usa.org. Toutes questions, voyez-vous pour nous parce que nous avons compilé toutes pour nous voir. Parce que nous connaissons que plus de monde qui a des questions avec pause là, il y a plus de monde qui a des questions avec sa capacité à porte là. Voyez tout bon nous et nous même avons compilé pour nous voir. Encore une fois, Kembe la palage, pas découragé. Nous connaissons que c'est pas un bagage qui facile. Cependant, pas découragé parce que sous terrain et autorisation de voyage, on est sûr et certain que vous pouvez voyager si pas rien que notre problème. Que bon Dieu bénisse nous, Kembe la palage, c'était le docteur Gabo de IFSI.